La personne qui filme clandestinement au péril de sa vie est une femme. Vêtue d'un niqab obligatoire, elle déambule dans la ville de Raqqa où les djihadistes font régner leur loi depuis mars dernier. Partout, des hommes en armes. Parfois, même des femmes. Niqab et Kalachnikov. Celle-ci se rend au jardin d'enfants. Tout à coup, la femme qui porte la caméra cachée se fait interpeller par un homme qui l'aperçoit au loin. Hé, hey, viens par là. Tu dois mieux te comporter quand tu es en public. Pourquoi ? On voit ton visage. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Mon niqab doit être un peu transparent. Je suis désolée. Tu dois faire attention en te couvrant. Dieu aime les femmes couvertes. Entendu, d'accord. Niqab, prière forcée, pas de musique, pas de divertissement. Ce diktat, des milliers de femmes syriennes le subissent, mais certaines l'ont choisi et elles viennent de France. Un club internet au cœur de Raqqa. Ah, ça fait longtemps. Dis-moi, je suis venue sur Facebook. Ah oui, pour parler. Devant chaque ordinateur, des femmes conversent en français parfait. Ouais, tu m'entends bien, tu disais, elle a pas parlé avec certaines. Toutes dialoguent avec leurs proches en France. Je ne peux pas revenir, moi je me dis qu'à je veux. Pourquoi il n'y a personne qui veut venir ? Il ne faut pas qu'elle se mette dans la tête que je veux revenir parce que je ne vais pas revenir. Je n'ai pas pris le risque de venir ici pour revenir en France. Je ne reviendrai pas en France. Je n'ai pas envie de revenir parce que je suis bien ici. Parfois, de l'autre côté de l'écran, des familles éplorées, elles ne comprennent pas le choix radical de leur fille. Je te dis, ça ne sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi. Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris ? Remarque, là, je reviens, je viens dans 5 minutes. Je vais vite faire aller là-bas, je ne vais pas rentrer après, c'est bon ? Ils exagèrent tout à la télé. Je reviens, hein. Hop, ils exagèrent tout, je coupe la vidéo. Ces femmes, venues se marier sur place ou rejoindre leur mari, seraient un élément essentiel de la propagande et de la stratégie du groupe intégriste. Environ 150 femmes françaises se trouveraient aujourd'hui en Syrie, aux côtés des différents groupes de combattants islamistes.